Alors, bonjour, bonjour, Cléitus Wimbo vous salue. Nous sommes ici donc au Bénin à Cotonou, dans la grande ville de Cotonou, la capitale économique, sur un petit site de 100 mètres carrés, appartenant donc à la famille Kounozo, un grand monsieur qui détient carrément tout le quartier Agaïa Clomain. Voilà, toutes les parcelles ici lui appartiennent. Oh, c'est un peu trop dire. Il fut aussi un grand monsieur dans la restauration Bénin, c'est ça. L'un des pionniers donc du service traiteur au Bénin, si je ne m'abuse. Il est aujourd'hui donc passionné par l'agriculture. Nous sommes donc sur son site de 100 mètres carrés ici. On va faire le tour ensemble. Merci à mon caméraman du jour, une grande dame. Voilà. Alors, on va le voir lui-même en action, Monsieur Kounozo et son épouse. Bonjour, bonjour, Monsieur Kounozo. Bonjour, bonjour. Et madame, voilà, la dame forte à ses côtés. Il est en train donc, d'arroser sa pépinière donc ce matin. Voilà. Il a suivi notre formation donc à Cotonou. Voilà. Et il est aujourd'hui donc en phase pratique, de la tomate en sol. Voilà. On peut voir une très belle pépinière réussie. Excellemment réussi, ça veut dire que c'est un monsieur qui a vraiment de la finesse dans les mains. Ça peut se voir donc, par ces résultats-là. Le hors-sol, quand quelqu'un est apte à le réussir, on peut le sentir déjà dès le début, au niveau de la pépinière. Voilà, c'est heureux. Et on peut voir à côté donc la plantation qui est en cours donc d'exécution. On a travaillé d'arrache-pied toute la journée d'hier avec des braves femmes ici au quartier d'Agla Clomain, à Cotonou ici. On peut voir la beauté de l'affaire par ici. Oh, les sachets déjà positionnés, comme vous pouvez le constater. Le goutte-à-goutte déjà opérationnel, déjà installé par mes soins. Moi-même, Cléitus Wimbo, expert international en agriculture sol. Voilà, toute la beauté de l'affaire par là-bas. Le tank est là-bas aussi. Je vois donc... on aura le temps de revenir sur tout ceci. De loin là-bas, on peut voir donc le tank qui est déjà installé. Voilà, donc on va passer au piquage ce matin, par la grâce de Dieu. C'est heureux, on va passer aux choses pratiques et par la grâce de Dieu, donc on espère faire donc une excellente récolte de tomates hors sol ici. Voilà. Cléitus vous remercie. Et on souhaite vous voir sur votre site à Cotonou, pourquoi pas à Porto Novo, à Parakou, n'importe où, au Bénin, pour faire donc de la tomate hors sol, pour faire des piments hors sol, pour faire des fraises hors sol, pour faire du poivron, tout ce que vous voulez. Cléitus, je vous remercie, je vous souhaite bonne journée, à bientôt pour un tour. Coupez.